Ravi de vous retrouver depuis le musée des 24 heures du Mans, où il y a tout le temps, toute l'année, une très belle collection permanente de motos qui est à voir. Et le plaisir aussi pour nous, c'est de vous retrouver régulièrement et de mettre quelque part les pleins phares sur un modèle. Moto d'hier, moto d'aujourd'hui, moto d'endurance, moto de vitesse. Bonjour Léon aussi. Bonjour Bruno. Alors pilote de Grand Prix, c'est vrai que dans l'histoire des Grands Prix, on s'en souvient, on a toujours parlé de catégorie reine. Puis aussi, il y a eu les 125 et les 250. Et un jour est arrivé cette catégorie-là des motos 2. Alors ça s'imbrique comment les motos 2 dans cette hiérarchie ? En fait, la catégorie moto 2, c'est tout simplement la digne catégorie remplaçante des 250. Mmh. Avant, c'était des 250 deux temps. Oui. Et on est passé sur ces motos 2 qui sont des 600 cm3 quatre temps depuis l'origine. Jusqu'à il y a encore 2 ans, on était sur des moteurs Honda, des moteurs 600, de 600 CBR. D'accord. Et voilà, ça a été le remplaçant, la remplaçante des 250 de temps. Alors cette moto-là s'appelle une Mistral. Une explication ? Oui, parce qu'en fait, elle a été créée dans le sud, à l'endroit où souffle le Mistral, dans l'écurie Tech 3. Ouais. Une moto qui est née tout simplement des mains de Guy Coulon. Donc elle s'appelle exactement la Mistral 610, puisqu'elle a été créée en 2010, l'année de création de cette catégorie Moto 2. Et vous avez naturellement piloté cette Mistral. C'était comment à piloter ? Eh ben alors, la catégorie Moto 2, c'est une catégorie qui est extrêmement exigeante. C'est-à-dire que tout le monde a le même moteur et on va différencier ensuite avec des châssis de différents manufacturiers. Et cette moto est donc une moto de conception française. Et c'était une moto qui avait des avantages et qui demandait aussi un petit peu plus d'exigence en termes de mise au point, mais qui a quand même fait énormément de bons résultats dès ses débuts, jusque dans les dernières années où elle a roulé. Donc c'était une moto sur laquelle sont passés pas mal de pilotes, des Français, comme Mike Di Meglio, puis comme moi aussi, donc voilà. Très bien. Quand je me penche là, j'ai des marquages quand même très particuliers, un chiffre. J'ai l'impression de reconnaître aussi un profil. Et oui, parce qu'en fait, cette moto, elle est dans une livrée un petit peu spéciale, parce qu'elle a roulé lors du Grand Prix de France 2015 et on fêtait le cinquantenaire du circuit Bugatti. Voilà. Et donc, en fait, pour cette édition du Grand Prix de France, on a fait une décoration à l'image du circuit Bugatti pour faire un gros clin d'œil à cet anniversaire qui est un anniversaire important. Ouais, le profil en question, c'est bien sûr celui du circuit Bugatti. Au fond de vous-même, que vous évoque cette moto, Louis Rossi, là, quand vous l'approchez et presque que vous la touchez ? Bah, moi, cette moto-là, elle m'évoque beaucoup de fierté, parce que c'est vrai que de rouler sur une moto de conception française, faite dans une écurie française avec des gens que je connais très très bien, ça a été une étape importante de ma carrière. Et c'est vrai que d'avoir roulé sur cette moto, pour moi, c'est une étape importante de ma vie de pilote. Louis Rossi, on a la chance, on a deux Louis Rossi finalement. Il y a vous physiquement présent, il y a également là Louis Rossi, votre cuir d'il y a quelques années lorsque vous étiez au guidon de cette Mistral. Et puis on va le rappeler aussi, Louis, vous avez gagné un Grand Prix de France au Mans. Même encore aujourd'hui, l'évoquer, ça provoque quoi en vous ? Ah, c'est évidemment beaucoup d'émotions. Je pense que sportivement parlant, c'est le plus grand souvenir de ma carrière, cette victoire sur le circuit Bugatti. Il pleuvait beaucoup, il y avait énormément de monde. Et c'est vrai que pour moi, cette année 2012, ça a été une année extrêmement importante, dans laquelle j'ai fait pas mal de bons résultats. J'ai réussi à gagner qu'un seul Grand Prix, si on peut dire. Mais en tout cas, c'était, s'il n'y en avait qu'un à gagner, c'était celui-ci. Et c'est d'ailleurs cette saison-là qui m'a permis d'arriver en Moto 2 et de rouler dans l'écurie Tech 3 au guidon de cette machine, de cette Mistral 610. Ouais. Un vent de victoire avec les Mistral ensuite. Voilà, lorsque vous viendrez au musée des 24 heures du Mans, vous verrez cette Mistral, vous vous remémorez les propos de Louis Rossi. La Mistral à voir toute l'année au musée des 24 heures du Mans. Merci Louis. Merci Bruno.